Le premier jour des azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ?» Il dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12, et tandis qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans ce plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda « Serait-ce moi, Rabbi ?»« Tu l'as dit, » répond Jésus. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père.
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'enseignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu le comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Oh.
Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié. » Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. » Thank you.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples : Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit : Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre : Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles.
et levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que, là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître
pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Alors il vient vers les disciples et leur dit : Désormais vous pouvez dormir et vous reposer.
Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici tout proche celui qui me livre. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, et avec lui une bande nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Or le traître leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Mais Jésus lui dit « Ami, fais ta besogne. » Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ? Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je un brigand, que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir ? Chaque jour, j'étais assis dans le temple à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté ?» Or, tout ceci advint pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite.